Ana sona tia kita ona. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Alors, il y a aujourd'hui 1er novembre, fête de la Saïmen, fête celte du jour de l'an. Pour les Celtes, les Gaulois, c'est le premier jour de l'année. Bah, peut-être que c'est prophétique. Premier jour de l'année pour les Celtes et les Gaulois, fête de la Saïmen, au moment où les dimensions s'ouvrent, où les ancêtres ou les voyageurs d'ailleurs viennent. Visiter les terrestres, hein, c'est ça dans la tradition celte, c'était l'ouverture des portes dans le mouvement où on allait venir voir, visiter les terrestres. Donc voilà, donc c'est voilà, c'est comme une sorte de prophétie. Voilà, donc bonjour à Dominique, bonjour à Marie-Pierre, super, Fanny, Chris, Catherine, Élie, Fanny de nouveau. Manon, bonjour Manon, Alain Meyer, Sylvie Matisse, Sandra, Lastgat, Blanca, Emmanuel, Michel Cuisinier, oh là, vous êtes nombreux, bonjour à tous, je ne vais pas citer tous les noms, ça fait beaucoup, eh bien merci d'être présent ce jour-là, un jour un peu spécial, vous avez vu la bande-annonce. Alors, il faut toujours, bien sûr, rester circonspect, comme on dit, parce que les choses peuvent varier et peuvent être changeantes, mais d'après les données que nous recevons, que j'ai reçues, aussi bien de l'Alliance et aussi bien des Célestes, hein, puisque vous savez qu'on est en contact avec certains Célestes bienveillants, il y a une activité recrudescence de vaisseaux de plus en plus. Je vais présenter l'émission aujourd'hui sur Gemenos, justement, qui prépare la sortie qu'on va faire le 26 novembre ici à Gemenos, qui est un petit village près de Marseille, Gemenos, qui veut dire les Gémeaux.
au pied de la Sainte-Baume, on prépare une grande sortie le 26 avec Isabelle, et je vais vous montrer le film que j'ai fait, et qui va présenter ce qu'elle est en train de vivre, qui est extraordinaire. Donc il y a de plus en plus de vaisseaux du côté de Gemenos. Il ne se passe pas un jour qu'il y ait des photos de vaisseaux. De partout où on va, d'aller à la Couronne, il y a 15 jours on est allé à la Couronne, qui est un petit village près, pas loin de Marseille, pas loin de Martigues aussi. Et là aussi, on a Michel a photographié une super sonde qui était au-dessus de nous et d'autres personnes aussi. On a vu d'autres vaisseaux, on a vu des vaisseaux pyramidaux, des triangles. Nous sommes allés ce dimanche à Bessillon, près de Pontévez, qui se trouve près de Barjols, dans le Var. Et là, bien sûr, on a fait une grosse activation. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui parce que j'en parlerai la prochaine fois. Je ne peux pas tout mélanger. Et là aussi, de nouveau, des vaisseaux photographiés. Donc, il y en a de partout. Il y a une recrudescence depuis quelques mois. Il y a une recrudescence colossale de vaisseaux qui sont pris par plein de gens, hein, pas forcément que moi. Plein de gens et des magnifiques vaisseaux. Donc, et c'est ce que j'ai appris. Alors, il faut le prendre toujours avec faire ses recherches, croiser les données, mais plusieurs sources. Antoine en parle, Tonton en parle, et d'autres personnes que j'ai eues aussi, que j'ai écoutées, qui sont très bien renseignées. Voilà, nous passons en red alert, je pense, nous passons en alerte rouge. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut dire que ben, nous passons dans une zone à risque colossale, avec une possibilité d'émission du fameux signal EBS, Emergency Broadcast System, système de secours d'urgence, qui pourrait se déclencher, on ne sait pas quand, à partir de plusieurs moments, dans quelques temps. Donc, alors, je ne vais pas vous faire une émission sur l'EBS, parce que j'ai prévu une émission sur le truc, mais vous avez une petite vidéo que j'ai fait circuler. Alors, ce n'est pas une vidéo, c'est un audio, sur laquelle d'une dame. Alors, sinon, vous avez une chaîne qui est pas mal, mais je n'ai pas son nom ici sous les yeux parce que je n'ai pas tout préparé pour ça, je n'ai pas eu le temps, il y a tellement de choses. Mais je la donnerai, je ne sais pas, si peut-être pendant le film, si je peux la retrouver, je vous donnerai cette chaîne où vous pouvez aller écouter et vous verrez, cette personne est très renseignée. Et elle donne des informations très pertinentes sur le processus qui va arriver. Donc, simplement pour résumer, si le signal EBS, vous l'avez vu sur la vidéo là, si le signal EBS se déclenche, je vous fais un short, hein, normalement, toutes les communications seront coupées, d'accord, que ce soit Internet, que ce soit le téléphone, que ce soit plein de choses, tout sera coupé sur ce signal. Alors, cet EBS, c'est un logiciel, c'est une application qui est installée sur votre téléphone ou sur les tablettes d'office, sans qu'on vous le dise. Donc, toutes les tablettes, tous les téléphones, parfois la télévision aussi, sont équipés de ce système qui se déclenche et pour alerter la population en cas de stress grave. Et bien, dans ce cas-là, à ce moment-là, le signal se déclenche et pendant 24 heures, vous avez des informations qui sont données, vous avez pour avoir des vidéos. Voilà. Donc, en réalité, et quand ça va se déclencher, si ça se déclenche bientôt, on ne sait pas, on est à gros risque actuellement, eh bien, il faut rester chez soi. Il ne faut vraiment pas bouger. Il est possible qu'il y ait l'armée dans les rues. Alors, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Il n'y a pas de truc, mais c'est un peu comme le confinement qu'on a eu. Ce sera moins long, sûrement, mais ce sera comme un confinement, mais cette fois-ci, il sera martial, il ne sera pas pandémique. Donc, en réalité, il faut rester chez soi, il faut faire quelques provisions, si c'est possible. Pour ceux qui sont dans les grandes villes, je vous conseillerais de regarder quand est-ce que ça va arriver, parce que ça risque d'être assez chaud. Pour ceux qui vivent dans les petits villages, les petites villes, ça sera moins drastique. Mais les grandes villes, c'est sûr que ça risque de coincer à ce niveau, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc, il y aura l'armée, et l'armée qui est positive, hein, c'est tout positif, hein, c'est pas une armée d'occupation. Donc, en réalité, ça sera pour pendant quelques jours, pour que finaliser le système de basculement vers ailleurs, vers le nouveau monde. Voilà. Donc, ce n'est pas ma spécialité, je ne vais pas vous faire un cours sur l'EBS, mais il y a des gens qui en parlent très bien. Et par contre, voilà, il faut la pire chose, c'est de perdre pied, c'est d'avoir l'angoisse, la peur, détendez-vous. Profitez pour faire des choses comme vous avez fait pour le confinement, traitez-le comme un confinement qui sera plus court. Mais alors, je ne veux pas vous dire que ça va se faire maintenant, car on ne sait pas. D'accord ? Mais il y a des gros indices qui montrent que, vous avez vu, hein, je ne vais pas vous mentir, et quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, voilà. Quoi qu'il se passe, restez alignés,
restez tenus. Et si vous pouvez aider ceux qui sont autour de nous, parce que tout le monde n'a pas forcément toutes les informations que vous avez. Et les personnes qui ne sont pas informées, elles risquent de perdre les pédales. Et c'est un peu pour ça qu'on va mettre l'armée dans les rues, pour éviter les débordements. Il n'y a que pour ça. Hein. C'est pas, voilà. Et plus d'autres choses, mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, l'armée est là pour maintenir l'ordre, pour éviter que les, parce que les gens vont être éberlués. Vous, normalement, vous devez être au courant de ça si vous écoutez Antoine, si vous suivez tout ça. C'est voir pourquoi les vaisseaux, d'après moi, sont en alerte aussi. Donc, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. On reçoit des messages de plus en plus. C'est encourageant, hein. C'est le nouveau monde, mais on est obligé de passer par cette méthode. Il n'y a pas d'autre méthode. Ça sera pour un mieux incroyable. Il va y avoir une zone de turbulence maximum pendant quelques temps. On va essayer de décourter ça le plus possible. Vous pouvez aussi vous relier au céleste pour ceux qui ont l'habitude ou qui en vivent. Comme j'expliquais hier à Tonton, j'ai passé pendant l'émission de, à Tonton, donc sur Débrief, AH Débrief, j'ai passé une heure avec lui. Et lui, il en a parlé de l'EBS pendant le truc. Et donc, ceux qui veulent peuvent avoir de la, du soutien par les célestes. Il suffit de leur adresser un message avec une émotion positive, avec une espèce de, voilà, de gratitude, et leur dire voilà, je veux, merci de m'aider, de me soutenir pour monter. Et vous verrez que d'une façon ou d'une autre, ils ne vont pas forcément atterrir dans votre jardin, mais ils vont vous aider et vous soutenir. Ils ne demandent que ça. Et ils sont là pour ça. Voilà pourquoi actuellement il y a une recrudescence de vaisseaux de partout, de plus en plus. Donc, tranquille, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, je vous le garantis. Sauf qu'on n'a pas l'habitude, nous ne sommes pas des générations qui ont vécu la guerre. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, ce ne sera pas une guerre, ce n'est pas quelque chose qui permet justement de faire basculer le système sans la guerre à ce niveau-là. Voilà pour ça, je voulais vous le dire, pour que je puisse, je vous l'ai dit, après vous faites comme vous voulez, mais attention, je ne vous ai pas dit que ça allait le faire, j'ai dit qu'on est dans les grandes probabilités. Si on l'évite, on l'évite. Mais voilà, donc c'est en cours, ce sont donc les probabilités. Et mon devoir était de vous le dire, puisque j'ai eu l'information moi, pour pas que vous soyez trop inquiet. Voilà, faut pas s'inquiéter. Au contraire, plus vous serez dans la détente, on sait que c'est pas facile, on n'a pas dit que c'était facile, dans la détente, tout ça. Par contre, si vous prenez quelques précautions, quand ça se déclenchera, ça sera mieux. Avoir un peu de nourriture, un petit peu d'eau, de l'argent liquide, parce que les banques seront out, c'est fini. Donc, voilà. Donc, prenez des précautions, de la lumière, des chandelles, des bougies. Voilà. Pour être un peu confortable. Surtout l'hiver, il fait nuit bonheur. Et voilà, donc, ça peut arriver. Voilà, écoutez, j'ai fait mon devoir, hein, j'ai fait mon information, après vous faites comme vous voulez à ce niveau-là. Coucou, bonjour. Ok, je vois si vous avez des messages. Voilà, bonjour de Marseille, bonsoir de Marseille. Voilà, pour tous ceux les personnes qui sont dans les grandes villes, soyez vigilants. À ce niveau-là, hein, prenez soin de vous. Oui, voilà, l'application alerte est compatible avec les appareils à partir de la 3G. Bon, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Il y a un test prévu, donc vous voyez, s'il y a des tests qui sont prévus le 3 novembre, c'est que, et ce n'est pas la première fois, hein, il y a des tests un peu de partout qui ont été faits, donc on se met à tester l'EBS, ce n'est pas pour rien, vous devez le comprendre, on n'a jamais fait ça. Comment c'est le partout, il y a eu des tests à plein d'endroits. Voilà, donc il faut rester vigilant, mais on passe en raid alerte à ce niveau-là. Donc on n'a pas bossé, oui. Ah ben oui, c'est ça le problème, c'est que voilà, quand toutes les personnes qui seront en voyage, les personnes qui seront trop loin de leur domicile, les personnes qui sont, alors on va faciliter le rapatriement des personnes qui sont relativement près de leur domicile, bien sûr. Si vous êtes travail, ben ce sera organisé pour ça. Mais ceux qui seront loin de chez eux, ça va peut-être poser des problèmes, hein, on ne sait pas. C'est comme le confinement. Hein. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui ont été bloqués dans le pays où ils visitaient pendant le confinement. Donc, voilà, on ne sait pas. C'est la première fois que ça va arriver. Donc, soyez vigilants. Si vous êtes en déplacement, on ne pourra pas faire autrement. Ben, prévoyez le coup quand même, essayez d'anticiper. Pour les autres, voilà, ça sera organisé. Mais pour ne pas perdre les pédales, il faut respirer calmement, il faut se détendre et dire que tout va aller bien. Voilà, surtout pas, et surtout pas sortir quand on vous dit de pas sortir. Il faut rester chez soi, il ne faut pas jouer le héros, il ne faut pas jouer le quoi que ce soit, parce que là, ça risque de... Les militaires ne plaisantent pas trop avec ça. Donc, c'est pas la police, hein, c'est les militaires. Donc, quelque part, soyez prudents avec ça, soyez sages, et vous inquiétez pas, si vous prenez les bonnes précautions, ça devrait bien se passer.
Je ne vous ai pas dit que ça va se passer. Je vous ai dit qu'il y a des risques. Mais vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit souvent, hein, à ce niveau-là. Ok. 3 jours de ténèbres. Bon, ce sera peut-être 3 jours de ténèbres, mais pour la lumière. Ok, pas pour moi, oui, c'est vrai. Voilà, éviter les émeutes. Voilà. Ouais, éviter les rassemblements de personnes, parce qu'il y en a toujours qui vont essayer de jouer un peu les malins. C'est pour protéger la population, tout à fait, vous avez compris, c'est bien, vous avez compris, c'est pour protéger la population. Donc, aidez les militaires à vous protéger, aidez les militaires à protéger la population, si vous voulez, en faisant ce qu'on vous dit. C'est tout, il n'y a pas compliqué avec ça. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons maintenant aller partir sur ce dossier qui est le dossier de Gemenos Contact que j'ai annoncé, qui est un dossier qui a commencé au mois de juin. On avait déjà parlé de ça, mais j'ai fait un film. Alors, j'ai fait un film qui résume un petit peu l'ensemble du dossier. On va projeter ce film, il dure une vingtaine de minutes. Il y a des photos, tout ça, et après, on peut en discuter. Mais je trouvais mieux que de vous montrer des photos. Je peux passer des messages aux gens qui me demandent sur. Alors, faites attention quand vous dites des messages, soyez. Voilà, parce qu'il faut être quand même. Avant de ça, renseignez-vous bien, pour ne pas paraître un rigolo. Donc, ayez un dossier sérieux. Hein, voilà, je vois vos réactions, c'est bien d'avoir, c'est bien d'avoir aidé les gens, mais il faut le faire avec des. Alors, avant de ça, allez vous renseigner si vous avez été un peu faible là-dessus. Mais j'essaierai de vous trouver. Pendant le film, je vais essayer de vous trouver le nom de ce site qui est pas mal, dans lequel il y a pas mal d'explications intéressantes. Voilà. Alors, je vous lance l'affaire par rapport à tout ça. Voilà. Allons-y. Partageons l'écran. Voilà. Voilà. Alors, on y va. Hop, 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 hop. Alors, oui, c'est passé. Ah, voilà, c'est là. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, j'ai le truc et on y va tranquillement à ce niveau-là. Alors, bonjour, je m'appelle Isabelle, j'habite à Gémenos et je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé dans la nuit du dimanche à lundi de Pentecôte 2023. Voilà. Donc d'abord, je voulais dire que je ne connais pas du tout Jean-Michel Raoult. J'ai eu son numéro de téléphone il y a à peu près 2 ans, il pourra vous raconter la petite anecdote, hein. Et donc on ne s'est jamais rencontrés et je regarde ces vidéos de temps en temps. Voilà. Tout ce que je peux vous dire aussi pour me présenter, c'est que je pratique la relaxation et la méditation depuis plusieurs années. Et à l'heure actuelle, je pratique à peu près la relaxation et la méditation 1 à 2 heures par jour. Voilà. Donc j'ai déjà eu des contacts avec des êtres d'autres densités, hein, ou d'autres dimensions. Des contacts avec des vaisseaux, mais toujours lors de sorties de corps, hein, qui n'a rien à voir avec les rêves. Donc là, ce qui s'est passé dans la nuit de Pentecôte, c'est vraiment, ça n'a rien à voir ni avec un rêve, ni avec un songe, ni avec une sortie astrale, une sortie de corps, ça n'a rien à voir. Parce que je peux vous dire que le contact direct dans le physique, ça dépote vraiment. Voilà. Donc, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je me suis réveillée dans la nuit, hein, et j'étais quand même tranquille, très bien, hein, sous la couette. Je me suis dit, tiens, je me suis réveillée. Ben, je vais rester sous ma couette, je vais attendre la prochaine phase d'endormissement. Et là, je sens vraiment qu'il va se passer quelque chose. Je ressens une présence dans ma chambre, une présence qui n'est pas du tout humaine. Je sens que c'est quelque chose qui a à voir avec des êtres d'une autre nature. Et dans ma tête, je me dis, oh là là, ça y est, ils arrivent, ils arrivent.
Et tout à coup, une lumière bleue envahit la pièce, une lumière très vivante et vraiment vibrante. Ça ressemble à de l'eau et à de l'air. C'est un petit peu, tout ça est mêlé, ça bouge, c'est intelligent, c'est vibrant, on dirait presque du fluide. Et là, je ressens une pulsation au niveau du milieu de mon front, comme une petite pointe, comme un faisceau très très fin qui cherche à percer mon front. Et ça me laisse vraiment une sensation comme du métal froid. Et là, j'ai l'impression que ma tête, elle s'ouvre, que mon cerveau s'expanse. Enfin, c'est très, très curieux. Et là, j'entends qu'on m'appelle. J'entends une voix, une communication télépathique qui arrive directement dans ma tête et qui prononce mon prénom et qui m'appelle, en fait, qui me dit « Isabelle, Isabelle, Isabelle ». Et ça insiste. Et là, je sens qu'il faut que je réponde. Donc, je réponds à l'intérieur de moi et je dis « Oui, c'est moi, Isabelle, c'est moi ». Et là, je ressens que ma réponse était attendue, en fait. C'était comme si je devais donner mon accord, comme si je devais dire oui, 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 c'est moi, je suis OK pour le contact. Et à ce moment-là où, de mon acceptation, la lumière bleue là, se met à pénétrer dans ma tête et envahit tout mon corps. Alors là, je me sens traversée, là, je baigne dedans, c'est très, très intense. Toutes mes cellules sont comme boostées, activées, comme une accélération vibratoire, une onde, une sorte de fusion en moi, c'est incroyable. C'est comme une unification de corps. Et je sens la connexion qui s'intensifie, qui s'intensifie, qui s'intensifie, jusqu'au maximum de ce que je peux recevoir, je pense. Et là, je reçois le message « Nous sommes vraiment là ». Alors moi, je me dis moi-même, oui, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, vous êtes là. Et juste après, le nom de Jean-Michel Raoux s'impose dans mon cerveau, mais je l'entends clairement. Et là, je comprends que c'est un message que je dois lui transmettre. Donc, OK, c'est un message, je comprends le lien, je vois très bien. Et là, je sais qu'ils ont compris, que j'ai compris la nature de leur intervention. Et je sais que je dois transmettre ce message à Jean-Michel Raoult. Nous sommes vraiment là. Nous sommes vraiment là. Donc, ensuite, je reste quelques instants dans cette lumière bleue, une lumière qui est très bienfaisante, aimante, paisible, mais alors qui impose. Hein, c'est quelque chose de très, très puissant. Et je sais au plus profond de moi qu'il y a un lien avec ces êtres. Je ne sais pas de quelle nature, mais c'est comme si on se connaissait déjà. Ensuite, la lumière bleue s'est concentrée sur elle-même jusqu'à devenir un petit point lumineux. Et avant qu'elle ne disparaisse, j'ai reçu un autre message qui me disait « Dans un mois. Dans un mois. » Et là, le point lumineux a disparu de ma chambre. La lumière a disparu et ça a été la fin du contact. Alors, j'ai aucune idée de ce que cela veut dire. On verra bien dans un mois, je ne sais pas. Je ne peux pas non plus nommer ces êtres. Je ne sais pas qui ils sont. Je n'ai pas vu leur apparence physique. Le contact a duré quelques secondes. Il était 1h19. Je me suis levée, après j'ai regardé l'heure. Il était 1h19 et c'était le lundi 29 mai 2023, lundi de Pentecôte. Donc là, j'ai compris qu'ils étaient vraiment venus me visiter chez moi pour établir un contact volontaire dans le but d'une collaboration, vraiment. Le lendemain, j'ai eu le besoin de me reposer hein, pour intégrer l'événement, toujours imprégné de cette énergie. Hein. C'était très, très fort. Hein. Et c'est le mercredi 31 mai que je me suis dit, maintenant, il faut que j'appelle Jean-Michel. Et il faut que j'appelle Jean-Michel Raoult. Il faut que je lui transmette le message. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, parce que dans la nuit, il y a une suite qui est très, très drôle. C'est que en fait, je me suis donc levée dans la nuit. Je suis restée 2 heures à peu près dans mon salon en train de revoir la scène. Je suis en train de remercier, de leur dire merci pour ce que j'avais vécu, pour ce contact direct. Et au bout de 2 heures, j'ai ressenti le sommeil venir et je suis allée me recoucher. Et là, j'ai fait un rêve qui est très court, hein, je vais vous le raconter aussi. Donc, dans mon rêve, il y avait des vaisseaux partout au-dessus des maisons. Et j'étais contente de les voir.
Et les gens avaient très, peu, très, très peur. Certains étaient contents de les voir et d'autres avaient peur. Ils allaient chez eux, ils se barricadaient carrément, s'enfermaient à clé, mettaient des meubles devant leur porte d'entrée. Et moi, je leur disais, mais ça ne sert à rien. Il n'y a nulle part où vous cacher. De toute façon, vous pouvez aller au fin fond d'une grotte. Ils vous trouveront. Ils vous trouveront par l'énergie que vous émettez, par la signature vibratoire que vous émettez. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vous cacher. De toute façon, ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Ils sont là dans un but de communiquer, en fait. Voilà. Et le rêve continue. Et ce qui est très drôle, c'était vraiment plein d'humour. Et là, à un moment donné, les êtres me demandent, toujours pareil, je ne vois pas leur apparence, les êtres me demandent comment nous pouvons faire pour se présenter physiquement aux humains sans créer de la peur et de la panique. Et là, je leur dis, mais il faut un petit peu nous ressembler quand même, hein, sinon ça ne va pas le faire. Et là, ils me disent, je leur dis, mais il faut avoir un peu notre apparence, il faut être bien habillé. Et là, ils me disent un costume, et je dis, oui, un costume, et aussi bien coiffé. Voilà, et fin du rêve. Donc, comme j'ai dit, le lendemain, j'ai eu besoin de vraiment... intégrer tout ça, et c'est le 31 mai que j'ai appelé Jean-Michel. Ce que je voulais dire aussi, c'est ce que j'ai perçu lors de ce contact, parce que j'ai eu des informations les concernant, hein, ce sont des êtres qui sont vraiment très très puissants, leur pensée est très claire, nette et précise, hein, ils savent pourquoi ils sont là. J'ai ressenti qu'ils n'étaient pas du tout dans l'émotionnel, ce sont des êtres stables, ils ont une maîtrise de l'émotionnel, vraiment une grande droiture, une grande justesse, ce sont les maîtres à bord. Ils sont maîtres en eux-mêmes et ils en imposent par leur seule présence. En fait, ils sont tous d'équerre, ils vont tous bien, quoi. Ils sont tous tellement alignés, maîtres d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas du tout ce type de relation comme on a, nous, les humains, avec des baisses d'humeur, des attachements, des « j'aime ou j'aime pas ça »,« ah, mon patron, aujourd'hui, m'a embêté », tout ça. Ils ne sont pas du tout là-dedans, ils ne sont pas dans la plainte parce qu'ils sont tous d'équerre, ils sont tous bien, quoi. Ils vont tous bien. Sont tous droits dans leurs bottes et maîtres à bord, maîtres d'eux-mêmes. Donc, ils sont vraiment positifs, ils sont dans l'amour, ils sont bienveillants. Voilà. Et suite à ce contact, moi, j'ai vraiment l'impression de me sentir comme un émetteur récepteur, quoi. Je me sens boostée d'énergie et je voudrais aussi peut-être dire un message à tous ceux qui se plaignent parfois que la vie est trop dure, qu'ils ont parfois envie de quitter le monde, envie de quitter la vie, et des fois ils disent « Oh là là, vivement la mort, parce qu'au moins ça doit être bien de l'autre côté, on doit être tranquille, super. » Et moi, je veux leur dire « Non, non, oui, peut-être que c'est certainement mieux de l'autre côté, mais c'est ici et maintenant que tout se joue, hein, c'est le lieu, c'est l'opportunité de... Là, dans votre vie, dans notre vie, c'est... comment je pourrais dire, c'est vraiment à l'intérieur du corps physique, c'est par le corps physique que tout commence. On a cette technologie en nous qui doit être activée, et c'est la vie, notre vie, qui permet ça. Donc c'est pas attendre la mort pour aller mieux, non, c'est ici maintenant qu'il faut activer tout ça dans nos cellules, et c'est une alchimie en fait, hein. C'est la véritable technologie, la plus haute des technologies, elle est en nous. C'est notre corps physique. Tout part de notre corps et de notre vie, ici et maintenant. Voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. En tout cas, je remercie Jean-Michel de pouvoir me donner l'occasion de témoigner. De toute façon, ce message, il fallait qu'ils le reçoivent, ça c'était certain. Voilà, donc merci de m'écouter et je sens que de toute façon ça ne va pas en rester là, je sens qu'il y aura une suite. Voilà, merci à vous tous d'être là et à bientôt. Thank you.
Suite à ces contacts en mi-2023, Isabelle a commencé à recevoir des conseils pour prendre des photos en donnant rendez-vous aux célestes bienveillants qui se présentaient à elle. Par communication télépathique et empathique, et selon une belle discipline et engagement sans faille, elle va commencer à faire des photos rendez-vous de plus en plus précises et rapprochées dans le temps. En voici un panel non exhaustif. Ces photos ont toutes été prises au-dessus du massif de la Galère, près du village de Gemenos, dans les Bouches-du-Rhône, France, entre juillet et octobre 2023. Elles sont accompagnées par un puissant ressenti énergétique. Le contact s'intensifie de jour en jour. Une sortie sur le terrain massif de la Galère, Gemenos, 13, France, est prévue pour le 26 novembre 2023 pour aller au contact de cette présence bienveillante qui est à la fois arthurien, étoile Arthurus du Bouvier et Abgal, CMC du Grand Chien. Les informations sont sur le site isavision.com, page accueil, sortie sur le terrain, mois de novembre.
Voilà, donc voilà un petit film sans prétention qui vous montre que ils sont là. Et encore, je n'ai pas mis toutes les photos, j'en reçois encore tout le temps. J'ai mis que des photos d'Isabelle. Et savoir qu'avant juillet, avant son contact, elle ne prenait pas de photos. Dès qu'elle a eu le contact, elle m'a appelé. Ça s'est passé. Alors, quand elle dit je ne le connaissais pas, c'est que c'était au mois de juin, bien sûr. Ensuite, elle m'a appelé, on s'est rencontrés, on a échangé des informations. J'ai vu que c'était quelqu'un de sérieux, quelqu'un de posé, c'était une infirmière. Donc, et ensuite, comme ils avaient dit dans un mois, mais on a organisé à Gémenos une sortie le 29 juin. 29 mai, 29 juin, on est allé là-bas et là, il y a eu des vaisseaux, on a eu des contacts, des énergies. Et je vois, moi, j'ai reçu l'information de dire à Isabelle, vous savez, je suis communication avec les célestes, c'est comme ça. Je ne suis pas le seul. Hein, c'est, je suis communication, moi, ça fait 30 ans que je suis communication avec eux. J'ai eu 20 types de contacts avec eux différents. Donc, je ne suis pas exceptionnel, c'est comme ça. Et les célestes m'ont dit ce jour-là, quand on était donc à Gémenos, le 29 juin, pour faire la première sortie, puisqu'ils avaient dit rendez-vous dans un mois. Donc, on y est allé. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Eh bien, j'ai reçu l'information disant, dis à Isabelle de faire des photos. Et je pense que c'est ça, dans un mois, c'est de commencer à faire des photos. Et à partir de comment elle les a donc appelées régulièrement et elle fait des photos. Et au fur et à mesure qu'elle a fait ça, de plus en plus de prenait des photos, elle a eu des ressentis, elle a eu des modifications dans son corps. Il y a eu plein, plein de choses qui se sont passées. Et en réalité, je crois que c'était ça, en plus le fait de dire que à partir du mois, elle est allée pour. Et donc, elle a eu, vous avez vu le magnifique vaisseau mère, là, récemment, il y a quelques temps, il n'y a même pas une semaine, à la Sainte-Baume. Alors, en plus, parce que le jour, nous, on était le 29 mai, je crois que c'était le 9 mai, on était à la Sainte-Baume, c'était un dimanche, on était en sortie, et on est allé faire un travail à la Sainte-Baume. Et ce jour-là, des personnes ont pris des vaisseaux, parce qu'on leur avait donné rendez-vous. Eh bien, elle a eu le contact dans la nuit du dimanche au lundi. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jean-Michel qu'on est vraiment là, parce que nous, le dimanche, on a pris des photos, il y avait des vaisseaux, puisqu'on avait donné rendez-vous. Après, on a fait un travail à un endroit qui s'appelle le Joug de l'Aigle, c'est-à-dire auprès du Saint-Pilon, au sommet de la Sainte-Baume. Et alors aussi, il y avait une trentaine de personnes. Et donc, en réalité, donc, on voit bien qu'il y a. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas, parce que. Même si l'Alliance sait ce qu'elle fait, mais même s'il y avait des faiblesses, les célestes sont là pour aider. Parce que, comme j'ai dit hier, Q, ce qu'on appelle Q, l'Alliance, ce n'est pas que des humains. Il y a l'Alliance galactique qui est avec eux. Il y a l'Alliance humaine avec Antoine, Tonton, et tout son staff, toute son équipe qui font des choses merveilleuses. Puis l'Alliance céleste avec nous, qui faisait des contacts. Donc, vous voyez, il y a quatre alliances en réalité qui œuvrent pour le bien-être de l'humanité. Donc ne vous inquiétez pas. Hein? Donc voilà l'idée. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir si vous avez. Bon, je regarde un petit peu si vous avez des questions. Hein, pour voir si vous avez des questions. Voilà, des vos réactions. Bon, mais Lydia Maya, si vous êtes arrivé en retard, ben, vous rouvrez le replay, hein. C'est pas grave, hein. Ça commence, ok. Lydia Maya, il faut s'attendre à ce que nous soyons informés sur nos téléphones et la TV. Voilà, donc je crois que vous êtes au courant. Témoignage très puissant. Merci à Alphonse, Alain, Alfonso. Pas qui j'espère, doit rester de larmes. Non, je ne pense pas que si vous prenez des armes, vous allez attirer des situations pour utiliser les armes. Méfiez-vous quand même. Bon, pas qui va nous. Bon, ok, merci beaucoup pour ce message. Pourquoi m'avez-vous mon. Bon, voilà. Énergie de la source, ok. Bon, je vois si vous avez des. Merci pour Sandra, merci de dire que c'est un bon message. On fait ce qu'on peut, hein. Oui, alors vous avez des avis, mais vous savez, je viens d'un truc, Lina Béliveau, vous pouvez avoir tous les avis que vous dire, mais d'être aussi affirmatif que ça, c'est quand même un problème. Hein. Vous pouvez dire, dans mon cas, je l'ai vécu comme ça, mais dire, c'est de la manipulation, ça, c'est quelque chose où vous avancez beaucoup, vous ne connaissez rien du dossier. C'est pas parce que vous avez vécu une AMI que vous avez la connaissance infuse. Donc, c'est bien de rester modeste. Voilà. Oui, je crois que Lina, vous devez. Ben, peut-être que vous rencontrerez des prédateurs, vous. Comme ça ira dans l'esprit que vous avez.
Nous, nous rencontrera. Vous savez, vous avez rencontré des gens, des êtres qui sont dans la même pensée que vous avez. Si vous avez de la peur, si vous pensez être manipulé, vous rencontrerez ces êtres-là. On vous donnera raison à ce niveau-là. Par contre, les autres qui n'ont pas peur et qui sont, bien, rencontreront les bienveillants. Vous voyez, c'est, ça va en rapport avec nos résonances. Alors, méfiez-vous. Hein, voilà. Voilà. Ouais, c'est une guerre spirituelle, c'est sûr. Alors, bon, ok, voilà, bon, je pense que c'est bien, les vaisseaux sont plus bas que d'habitude, non? Oui, tout à fait, les vaisseaux sont rapprochés, là, vous avez vu un vaisseau mère à Sainte-Baume, c'est quand même extraordinaire, hein? Vous avez vu, est-ce que je peux faire quelque chose ici, à La Réunion? Oui, oui, c'est là, aussi là, qui est notre correspondante à La Réunion, bonjour aussi là. Oui, oui, bien sûr, tu sais très bien ce qu'à faire, tu as déjà été avec nous, tu sais comment on bosse. L'île de la Réunion est une ligne extrêmement importante pour les temps qui viennent. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais tu sais, voici là que c'est la porte planétaire qui relie l'Islande, l'île de Pâques, l'île de la Réunion. Cette porte planétaire s'ouvre à partir du 8 avril, lors de la grande éclipse qu'il va y avoir sur les États-Unis du 8 avril 2024. Donc, communique avec eux, suis tes intuitions, il n'y a aucun problème. Prépare l'île à ce que elle rentre en réaction le 8 avril. Ta mission, c'est de préparer l'île, la vibration de l'île. Et je sais que tu vas y arriver. J'ai confiance en l'amour, oui, ok, pas de problème. Voilà, c'est bien, pas qui, de donner votre... voilà. Depuis 2012, les mavis n'ont pas la permission, c'est vrai. Donc, vous voyez, je vois que vous avez des connaissances, c'est bien. Donc, restez positif. Hein, voilà. Très bien, quoi qu'il en soit, restons de l'air dans nos cœurs, c'est bien. Parfait, je crois que vous avez compris hein, que ce sont des messages d'encouragement, ce sont des messages d'aide. Après, certains qui ont eu des mauvaises expériences, des bad trips, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est, voilà, c'est pas parce que vous avez un bad trip que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a des expériences par ça. Alors, si vous avez un bad trip, essayez de vivre un meilleur trip. Vous verrez, votre opinion va changer. Voilà, donc, c'était bien par rapport à tout ça. Je vais continuer donc, puisque c'est bien, je vous remercie. Donc, vous voyez, le message, je voulais vous le donner. Pour pas que vous disiez, on ne vous a pas été averti. Vous avez été averti. Après, vous faites vos recherches. Oui, on vous montre les photos. On ne vous dit pas, croyez-nous sur parole. Et on se déplace. Donc, on fait une sortie le 26 novembre dans le massif de la Galère, là où il y a les vaisseaux, juste sous où il y a les vaisseaux. Pratiquement, la majorité des photos qu'elle a prises, à part celle de la Sainte-Baume, ils sont dans le massif de la Galère. Donc, on va se débrouiller pour aller juste en dessous. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Mais vous voyez, on s'implique, on se déplace, on y va, on ne reste pas assis sur notre fauteuil en attendant qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, souvent on dit il ne se passe rien parce que la plupart des gens ne font pas grand-chose. Donc à un moment donné, vous se secouez un peu, vous prenez l'initiative, chacun fait avec les moyens qu'il a, avec ses compétences. Mais si tout le monde fait un petit peu, eh bien, il y aura, et en plus, en même temps, comme ça vous évitera d'être dans l'ententéisme, ce qui n'est pas bon du tout. Voilà, bravo, bonjour de la Suisse, bonjour à tous, bonjour. Bon, qu'on peut faire terre concrètement? Mais ça dépend dans quelle partie vous êtes. Si vous n'avez pas l'habitude des célestes, c'est sûr que là, au dernier moment, vous n'allez pas... Alors, faites ce que vous pouvez faire dans la partie que vous connaissez. Voilà, donc vous voyez, je ne peux pas rentrer dans des détails trop longs pour vous expliquer tout ce que vous pouvez faire, parce qu'en réalité, voilà. Eh bien, faites ce que vous ressentez. Ce que vous êtes et les capacités que vous avez, mettez-la au service de l'humanité, vous verrez, vous allez vivre des choses. Mais je ne peux pas vous dire faites ça, faites ça, faites ça, parce que c'est trop important. Maintenant, on arrive au moment crucial. Ce n'est pas au moment crucial qu'il faut développer des stratégies. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu une longue préparation qui a été mise en place. Bon, voilà, tout le monde n'a pas forcément écouté au bon moment, au bon endroit, mais ce n'est pas grave. Mais quelque part, quand on arrive au dernier moment, c'est sûr que si on est dans la précipitation, ce n'est pas bon. Alors, calmez-vous, respirez, faites des méditations et recevez des intuitions de votre dimension intérieure, de votre être intérieur, voilà. Et faites ce que vous ressentez, ça sera le mieux pour le plan. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça, je ne veux pas faire. Devenons prendre contact avec un référent. Oui, après, c'est à chacun de vous. Merci, messieurs. Oui, ok, bravo à tous. Alors, je continue, hein, parce que ce n'est pas fini. Et on verra la semaine prochaine. Alors, on verra, hein, parce que si se déclenche quelque chose, on ne sait pas. Alors, il y a une date qui circule, mais je vous le dis pour le dire. Ne me dites pas après, il y a une pointe, je dirais, de voilà, vers le 5-6 novembre. C'est une rumeur.
Voilà, c'est une rumeur qui court. Donc, voilà, si ça se déclenche, ben, je ne pense pas qu'il y ait un live. Parce qu'au moment du LBS, il n'y a plus de connexion Internet, il n'y a plus de téléphone, je vous l'ai dit, hein, d'accord. Et il est possible aussi que toutes les plateformes habituelles disparaissent. Hein. Voilà. Donc, moi, je serais bien embêté parce que je vais perdre toutes mes vidéos. Mais ce n'est pas grave, c'est pour le renouveau, c'est le nouveau monde. Mais Facebook, YouTube, d'autres risquent de disparaître. C'est clair. Et pratiquement tous les médias actuels risquent de disparaître. D'accord ? Donc, ils ont dit de prendre des précautions pour ceux qui ont stocké des images sur le cloud. Pardon, je vous le dis. Hein, je vous dis ce que j'ai reçu comme information. Si vous stockez des vidéos sur le cloud, vous risquez de les perdre. Cloud, c'est le système de stockage virtuel. Toutes les personnes qui ont mis des vidéos sur YouTube comme moi, vous allez les perdre. Alors, il y a certaines plateformes qui vont rester, mais je ne sais pas lesquelles. Je ne peux pas vous dire. Donc, c'est un peu comme un reset, quoi. C'est clair. Parce qu'on va installer un nouveau système, un nouvel Internet. Ça sera un nouvel Internet. Il ne sera plus du tout. Il ne sera pas pareil que celui-là. Donc, mais par quoi ? Donc, c'est tout ce que je peux vous dire avec ça. Alors, donc, allons voir une suite aussi de choses. Isabelle nous a aussi donné alors une autre vidéo que je vous montre, que j'ai fait après, justement parce que j'installe, qui est un deuxième contact qu'elle vient d'avoir maintenant. Donc, je vous le présente, mais c'est plus court. Hein. C'est beaucoup plus court, ça dure 7 minutes. Et c'est un nouveau témoignage qu'elle a fait, mais je n'ai pas pu le mettre directement parce que j'ai pu le faire qu'après. Alors, voyons son deuxième témoignage. Bonjour à tous, je voudrais vous partager une expérience qui m'est arrivée dans la nuit du 24 au 25 octobre, donc qui est assez récente. C'est une expérience spirituelle. J'étais dans un état de relaxation profonde, allongée, et je me suis sentie parcourue de haut en bas et de bas en haut, de la tête aux pieds, par des énergies très très fortes qui me donnaient un sentiment de bien-être, de légèreté, de joie. Et je me suis dit, mais j'ai envie de rester dans cet état-là. Et donc, je me suis focalisée sur cet état, ce qui a eu pour conséquence d'amplifier les énergies. Et d'un seul coup, j'ai ressenti un grand souffle, comme un grand vent dans la pièce. Et je me suis aperçue petit à petit que ce vent était aussi à l'intérieur de moi. Et j'ai senti toutes les cellules de mon corps qui tourbillonnaient comme dans une spirale avec des énergies qui montaient et qui descendaient de façon simultanée, dans un sens et dans l'autre, comme une spirale, mais très très forte, comme une tornade en fait, avec des vents très forts à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Et là, je me suis sentie propulsée à travers un cylindre, comme si je passais à travers un cylindre. Et je suis passée, mon corps s'est propulsé vers le haut. Bon, là, je vous parle d'un ressenti, hein. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti que mon corps a été comme aspiré vers le haut et ensuite tiré vers l'arrière au niveau de la colonne vertébrale, des énergies de la colonne vertébrale. Je me suis sentie transportée dans un autre espace-temps et je me suis retrouvée dans un endroit où je pense qu'il n'y avait pas du tout d'espace-temps. C'était une pure conscience. Je me suis retrouvée au centre d'une pure conscience. Et là, j'ai ressenti un état de bien-être, de joie et d'amour infini. Et c'était une autre réalité, en fait. J'ai été transportée ailleurs et je sens que j'ai été actrice de ce transport, en fait, de ce mouvement par l'amplification de mes énergies internes. Et je suis rentrée, en fait, en correspondance avec d'autres énergies qui m'ont propulsée dans un autre espace-temps, dans une autre réalité. Et je suis restée dans cette réalité, mais très vite, en une fraction de seconde, j'ai été repropulsée dans,
dans l'espace de ma pièce, en fait. Hein. Je suis revenue très rapidement dans cette réalité. J'ai baigné pendant un petit moment dans cet état et j'ai vraiment eu l'impression de passer dans une autre dimension, d'avoir été téléportée tout en restant au même endroit. Enfin, je ne peux pas expliquer tout ça, le mental ne peut pas expliquer tout ça. Ça reste une expérience spirituelle, mais je pense que ça a à voir avec l'activation du corps de lumière, ce qu'on peut appeler la Merkaba. Et je pense que Jean-Michel en parlera mieux que moi. Et c'est vraiment ce que je disais au premier témoignage qu'on avait une technologie en nous, et c'est vraiment ça en fait, c'est l'activation de nos cellules, c'est l'activation du corps de lumière, l'activation du corps divin, et c'est comme si on devenait un vaisseau, et ce vaisseau, il peut nous transporter dans une autre réalité, mais on est acteur de ce transport, voilà. On agit sur le phénomène de passage, voilà, on passe vraiment vers un ailleurs. Voilà, c'était mon témoignage, je pense que c'est important à l'heure actuelle que les personnes qui vivent des choses comme ça puissent témoigner et en faire profiter les autres, parce qu'on a tous un corps qui est susceptible d'aller vers cela. Voilà. Merci à vous tous, à bientôt. Au revoir. Voilà, donc, hop là, voilà, j'ai revenu. Voilà, dans la deuxième partie qui est très récente, qui se rajoute encore, donc elle vient d'avoir une expérience qui c'est l'activation du corps de lumière. Ça, c'est ce qui concerne le phénomène ascensionnel, pour ceux qui connaissent. Donc, voyez que ça grandit. Après le contact, quelques mois, c'est-à-dire en juin, juillet, août, septembre, eh bien, on arrive à 4 mois, octobre. Cinq mois après, elle a une expérience où on active son corps de lumière. Donc, vous voyez que le contact avec les célestes a porté ses fruits, on peut dire littéralement. Et elle m'a dit depuis quelque temps qu'elle avait une alchimie qui se faisait en elle, comme elle est infirmière, elle connaît un peu ça quand même. Et donc, elle connaît, donc il y a quelque chose qui accélère dans son corps. Et ce n'est pas forcément propre à elle, c'est propre à tous ceux qui sont en contact avec des énergies de haute fréquence, de joie, d'élévation, des célestes bienveillants. L'interaction avec les célestes augmente notre fréquence,
Il y a aussi notre job à nous de l'augmenter. Il faut faire attention, bien sûr, de l'augmenter nous-mêmes. Pardon, par notre façon de vivre. Donc, vous voyez, c'est en train d'arriver. Donc, des événements sont en train d'arriver. La fréquence de la Terre ne fait que monter. C'est clair, on mesure. Donc, on converge. Disons que si on faisait statistiquement un rapport, on s'apercevrait, si on prenait des paramètres, qu'on les croisait ensemble, qu'est-ce qu'on obtiendrait ? Bien, on obtiendrait une espèce de convergence qui nous montre qu'on va vers des événements de plus en plus importants. On n'a pas de date pour ça, mais ce n'est pas une date qui cherche, c'est une période. Nous sommes dans une période. Et il se trouve que nous sommes dans une période d'accélération foudroyante. Donc, ça veut dire que, vous savez, quand une rivière accélère, quand elle est rapide, c'est que la cascade, la chute d'eau n'est pas loin. C'est clair. Mais une fois que vous avez entendu la chute d'eau, c'est assez difficile de faire demi-tour. Donc, quelque part, on voit que les rapides accélèrent. Quand il y aura la chute d'eau, eh bien, ça sera le grand passage. On ne va pas en parler ici, mais on sent que si on voit que l'eau accélère, ce sont des forts indices que nous arrivons vers une chute d'eau. C'est ce qui se passe dans une rivière. Vous connaissez ce principe-là. Donc, eh bien, regardez ce qui se passe autour de vous. Si une société, une civilisation est en train de s'effondrer, vous passez sur un autre mode de fonctionnement, si les célestes se rapprochent de plus en plus, si de plus en plus de périodes, alors c'est pas la seule, si de plus en plus de personnes qui vivent des expériences comme ça, très puissantes, s'il y a une augmentation du taux vibratoire de la Terre, ça fait beaucoup de paramètres qui convergent vers ça. En tant que scientifique, on peut se dire, attention, là, les probabilités sont en train d'augmenter de façon... Donc, il faut en tenir compte ou pas. Ceux qui ne tiendront pas compte, eh bien, c'est leur choix. Ils auront les conséquences du fait qu'ils n'ont pas tenu compte. C'est un peu comme la cigale et la fourmi. Mais ceux qui vont tenir compte de ça et qui vont l'intégrer, ces paramètres, dans leur vie, eh bien, ils pourront vivre une expérience satisfaisante au lieu de vivre en enfer. Vous voyez, c'est notre attitude qui va définir de comment on va vivre. Les événements, vous ne les arrêterez pas. Les événements sont lancés, c'est fini. Alors, c'est votre attitude qui va faire la différence. L'attitude, est-ce que vous allez être violent, est-ce que vous allez être frustré, est-ce que vous allez être en colère, est-ce que vous aurez peur, ou est-ce que vous serez détendu, apaisé, vous allez aider les autres, vous serez compassionné, vous serez empathique, est-ce que vous irez vers les célestes bienveillants, voilà, ça va définir comment vous allez vivre la suite des événements. Ok avec ça? Donc, je regarde si vous avez d'autres... ok, beaucoup, je suis dispo dans le Nord. Après, vous pouvez organiser des activations dans votre région. Vous n'êtes pas obligé de venir à... Nous, on a ça ici, ben voilà. Après, dans chaque région, vous avez vu, il y a 17 bases. Nous avons répertorié, il y en a dans le Nord. Il y a 17 bases que nous avons dessinées sur des cartes qui ont été données par les Célestes sur la France. Je dirais 17 pour l'instant. Il peut en avoir plus que 17, mais pour ça, on a répertorié 17 bases. C'est curieux quand même, 17. Vous connaissez le Q, la valeur de la lettre Q, la valeur B, c'est 17. Et donc, en réalité, on a recensé 17 bases. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas qu'en Provence. Mais voilà, donc, si vous êtes dans une région où c'est trop loin, organisez vous-même vos activités avec des amis. C'est votre initiative. On ne peut pas le faire pour vous. Moi, sincèrement, je ne peux rien faire par rapport à ça. Vous devez prendre des initiatives et faire ce que vous pouvez faire, mais le plus rapidement possible, parce que, rappelez-vous, le cours d'eau est en train d'accélérer. Ok, alors je regarde un peu. On parlait que c'est normal, confirmant ce que c'est évident qu'une rumeur. Mais ok, mais si ce n'est qu'une rumeur, tant mieux. C'est pas grave, ça veut dire qu'on a fait changer les lignes de temps. Oui, donc il y a toujours, c'est toujours, voilà. Après, on vous donne l'info, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, ok? Voilà, donc, ok, alors maintenant, j'ai fini pour ce live pour aujourd'hui, parce que c'est déjà 17h, je vais faire quelques annonces. La semaine prochaine, je montrerai de nouvelles photos et d'autres contacts que nous avons eus récemment. Moi, je vous garantis que moi c'est déjà en train d'arriver. Moi, je le vis, c'est déjà en train d'arriver. Vous, peut-être pas. Mais moi, je le déchire déjà, et ça fait quand même des années que c'est déjà en train d'arriver. Mais ça accélère. Donc, nous sommes en contact direct avec des choses. Maintenant, à vous de voir. Hein, et les personnes qui viennent dans les activités que nous organisons, ce n'est pas pour faire la publicité, je vous parle des choses. Ils le voient aussi. Et ils vivent l'expérience. Hein. Vous voyez, donc, quelque part, si vous ne pouvez pas vivre l'expérience, eh bien, créez votre propre expérience. Mais après, il ne faudra pas venir dire et se plaindre. C'est clair. Si on dit les choses... On les dit, et Antoine il les dit, il a redit, Tonton les dit, il a redit, c'est pas les seuls, il y en a d'autres.
Mais si vous n'écoutez pas, que vous voulez faire à votre tête, c'est votre problème. Ensuite, on n'a pas dit que c'était inéluctable. On a dit, voici les données que nous avons. Maintenant, si on est assez puissant pour faire changer les lignes de temps et de créer des nouvelles opportunités, nos problèmes. Mais c'est pas si on ne fait rien, bien sûr. Alors nous, on vous dit ça dans la température qu'il y a aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein, voilà. Alors, oui, j'ai. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais donner, je vais créer. Donc, attendez ici, bannière. Voilà, j'ai créé une petite bannière pour vous donner le site où vous pouvez trouver les infos dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à l'EBS, tout ça. C'est, voilà, je vous dis une info, comme ça, les sourcés, vous allez voir, vous allez à la source. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de problème, je l'ai promis, je vais vous le donner parce que sinon, c'est un peu compliqué, donc il faut que je l'ai. Voilà, alors ça s'appelle, je le note, hein. Blo, vous le trouvez sur, vous tapez cette adresse. Hein. Alors, il y en a un équivalent sur Telegram et sur Odyssée. Odyssée, la chaîne Odyssée, enfin, la plateforme Odyssée et Telegram. Mais vous, il y a aussi un site, ça existe. Hein. Donc, je vous donne l'intitulé. C'est Blossom Time. Voilà. Ça, c'est le site pour les infos d'actualité. Hein, voilà. Actualité. Actualité, pas mainstream. Hein. Voilà. Voilà, donc je vous donne, paf. Voilà. Blossom Time, site d'infos d'actualité. Là, j'ai fait mon devoir et je vous ai donné, à vous d'aller voir ou pas voir. Donc là, il y a des audios, des informations. Faites votre recherche. Après, on en reparlera. D'accord. Voilà. Écoutez, maintenant, je vais faire quelques annonces. Par rapport à tout ça, ce qui est normal. Hein, puis on va faire les annonces. Là, je vais partager. Je rappelle aussi que vous pouvez retrouver toutes ces informations d'abord sur le site Alliance Céleste. Alliance Céleste. Donc, c'est www.alliance-céleste.com. Là, vous avez plein d'informations. C'est le site officiel de l'ONG. Et là, vous avez une boutique, des contacts, l'adhésion, si vous pouvez adhérer pour être partie d'équipe. Le symposium, là, si vous avez cliqué sur symposium, on l'a vu tout à l'heure, plusieurs annonces, parce que c'est un grand, grand moment qu'on prépare. Eh bien, on vous explique ce que c'est le symposium ou Zénith, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur, et l'accès à la billetterie, elle est là. Donc ça, c'est pour le mois de mars, si Dieu nous prête vie. Voilà. Ensuite, vous avez, alors ça c'est autre chose, c'est des trucs, voilà, bon, des choses intéressantes, oui, bon, voilà, mais c'est pas grave, on peut l'enlever. Ici, vous avez un site sur des technologies scalaires et plasma qui sont faits par des ingénieurs et on utilise ces technologies pour entrer en contact avec les célestes. Et chaque fois qu'on rentre en contact, il y a ces technologies. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez accéder. Moi, j'en ai 5 ou 6 de ces technologies. Ils viennent de sortir une super technologie dont bientôt je vais vous parler, qui est extraordinaire. Donc, ce sont des technologies scalaires et plasmiques. C'est Myrdine et Marie. Très sympa. Leur site, c'est Crystal of Naamia. Vous le voyez là. Et là, vous pouvez faire un tour et si ça vous intéresse. Parce que si vous voulez faire des activités autour de chez vous, ce serait bien de vous procurer quelque chose qui va aider. Ils viennent sortir une dernière technologie que je vais acquérir qui est extraordinaire. C'est une technologie qui permet, vous voyez, voilà, tout ça, tout est expliqué. Hein, à quoi ça sert. Et ce sont des vraies technologies, on peut dire, un mélange de technologie terrestre et de technologie céleste et stellaire, je vous le dis. Donc, bravo à eux. Vous avez un site ami qui s'appelle quantum-qsf.com et là, vous avez d'autres informations de différentes actions qui sont menées sur le terrain. Vous voyez, on ne chôme pas. Vous avez des partenaires, tout ça. Donc, quantum, en minuscule, -qsf.com. Vous avez, je rappelle aussi que vous avez le ARNM fait par Antoine Alliance Humaine 2020, qui est un équivalent du Facebook, mais pour les gens qui sont branchés, connectés. Moi, je vous publie, ce soir, je vais publier ma vidéo là-dessus. Donc, il y a des vidéos, je suis ici, oui, groupe, il nous a même fait un groupe qui s'appelle Alliance Céleste Internationale. Je publie souvent aussi mes vidéos là-dessus. Vous voyez, vous allez voir, elles vont apparaître quand elle veut. Hein. Bon. Voilà, c'est passé là, voilà. Vous voyez, voilà, on a mis des vidéos. Voilà. Alors, je vous rappelle que Antoine sera présent au symposium.
On a fait, il y a une petite vidéo qui l'explique un peu là. Donc Antoine sera Antoine et Christophe, les deux. Christophe pour la quantique et Antoine pour l'humanitaire terrestre et l'Alliance. Vous voyez. Donc il sera au symposium en avril. Vous regardez, on met toutes les vidéos, hein, on les met toutes et il y en a d'autres en plus, voilà. Donc voilà, donc ça, vous pouvez aussi vous inscrire sur ce site qui est un peu un Facebook, on peut dire branché. Ensuite, vous avez la chaîne, ma chaîne YouTube qui risque de disparaître après. LGC5, Avatar, Guardian Player One, où il y a toutes les vidéos. Il y a même les vidéos qu'on doit voir ici maintenant en direct. On doit la voir. Le direct, ouais, il est là. Il est là, ouais. Après, il y a d'autres trucs. Et vous retrouvez toutes les vidéos qu'on fait pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne savent pas dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez chercher. Voyez, vous avez ça. Quand vous aurez regardé tout ça, vous saurez un peu plus que ce qu'on fait. Mais je ne peux pas vous en expliquer plus. C'est LGC5.avatar Guardian Player One. Et vous avez là aussi le YouTube de l'Alliance Céleste France, l'ONG. Là aussi, il y avait d'autres types de vidéos. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de vidéos. C'est énorme, hein, regardez. Après, on dit, il n'y a rien qui se passe. Regardez, qu'est-ce qui se passe. Il ne se passe rien, regardez. Regardez tout ça. Tout ça, c'est des actions qu'on fait sur le terrain. Regardez les vaisseaux. Il ne se passe rien. C'est parce que vous n'allez pas au bon endroit. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Voilà. Donc, tout va bien. Je répète, pour ceux qui seraient dans la région, si le BS se déclenche et tout, c'est sûr que, voilà. Mais, admettons que ça ne soit pas maintenant, que ce soit plus loin, plus tard, on ne sait pas. Il faut être prudent, mais les indices sont là, mais on ne sait pas. Ce n'est pas moi qui appuie sur le bouton. Donc, si on nous le permet, eh bien, le 26 novembre, on sera à Gémenos, petit village des Bouches-du-Rhône. Le rendez-vous est entre 10h et 10h30 devant la mairie de Gémenos, prévoir un pique-nique, sac à dos, chaussures de marche. Et on va aller justement dans le massif de la Galère, où il y a les vaisseaux dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. On va donner rendez-vous au Céleste. Il va se passer sûrement des choses, je ne peux pas vous dire à l'avance, mais c'est un rendez-vous qu'on prend parce qu'on va sur le terrain. On provoque le contact. On va vers eux. Ouais, ça, c'est vraiment important. Ou sinon, vous allez sur le site isa-vision.com. isa-vision.com, et là, vous avez tout le programme dans la page d'accueil, vous avez toutes les activités, on va aller à Marseille, bientôt, on va aller visiter Marseille et faire un travail sur Marseille, après, on va faire un travail sur Olière, où j'habite, donc tout est décrit dans le site isa-vision.com. Je ne sais pas si je n'ai pas eu des bannières sur... Ben voilà, je l'ai là. Voilà, vous avez l'adresse à nous, isa-vision.com, sur la page d'accueil, vous déroulez, et là, vous avez le programme des activités jusqu'à fin décembre. Vous voyez, donc, je pense qu'on ne peut pas vous, on vous cache rien, on vous montre tout, on vous montre tout ce qui se passe. Maintenant, c'est entre vos mains, à ce niveau-là. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous pour Tonton, ce sera le 14 novembre. Vous savez que tous les 15 jours, Tonton m'invite et on fait le pont entre l'Alliance humaine 2020 et l'Alliance céleste pour donner des informations. Hier, j'ai donné d'autres types d'informations hein, à ce niveau-là, plus général, on peut dire, pendant une heure. Ce sera le 14 novembre à partir de 21h. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, normalement. Voilà, c'est tout conditionné pour ça. Normalement, pour parler d'autres opérations, d'autres résultats. Et d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà, je vous remercie de votre présence, de votre ouverture d'esprit, de votre compassion, tout ce que vous avez. C'est le moment de s'y focaliser. Longue vie et prospérité à chacun. Soyez, comme dirait Antoine, soyez heureux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vais vous mettre un petit final sympathique. Ouais, ah mais tiens, c'est pour rigoler, j'aime bien celle-là. C'est le petit truc avec le capitaine Kirk et Bruce Willis. C'est le petit truc qu'on a fait pour le symposium, mais c'est sympa parce que c'est rigolo. Eh bien, merci à tous et à bientôt. Et si vous voulez, si vous pouvez partager la vidéo pour donner les informations à la plus de gens possible, ça serait bien. Je vous remercie. Mettre un pouce aussi, tant que ça marche. Voilà, pour que le plus de gens aient des informations. Et n'oubliez pas, Blueson Time, ça peut vous aider à mieux comprendre. C'est très bien expliqué. À bientôt et merci.
Ici Kirk, commandant de la CAF. À bord du vaisseau amiral Enterprise. Commander Dallas, vous êtes là? Qui ça? La CAF? Mais vous êtes en train de me dire que la CAF vous envoie? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un trop perçu? Non, la CAF, Celeste Alliance from France. La CIA, si vous préférez. La CIA? Non, mais j'ai rien fait de mal! Non, The Celeste International Alliance. Mais de France. Bon, bref, on a un souci, Corbett. Ah, ok. Votre vaisseau est en panne et vous avez besoin d'un taxi. Je vous préviens, ça va vous coûter la peau des fesses. Dans l'espace, c'est tarif de nuit H24. Écoutez, je n'ai pas le temps de m'amuser. L'Alliance Céleste a une nouvelle mission pour vous, Corbett Dallas. L'Alliance Céleste? Ah, quand même. Ils décident enfin à m'écouter. Ils vont le signer quand, ce putain de traité de paix galactique? Écoutez-moi, nous n'avons que très peu de temps. Pourquoi? Vous avez les Klingons aux fesses encore? Vous l'avez bien cherché, Kirk? Non, pas du tout. Mais on est en 2023 et le vaisseau Enterprise fonctionne encore au gasoil. Et là, on est presque à sec. Et c'est quoi la mission? Trouver du pétrole sur Mars? Les Chinois sont sur le coup d'ailleurs, tu savais? Ça suffit, Corbett. Vous devez vous rendre sur Terre pour récupérer les quatre éléments cachés dans le zénith de Limoges et les rassembler autour du cinquième élément qui pourra alors accomplir sa destinée, sauver la Terre et ses habitants. C'est tout? Non, mais vous êtes fous! C'est trop dangereux! Et trouvez quelqu'un d'autre! Il y a plein de talents dans l'Alliance! C'est une mission impitoyable, je sais. Mais c'est ton univers, Corbett Dallas. Et tu connais la chanson. Et quelle chanson? Corbett Dallas, ton univers impitoyable. Putain, je vais l'accepter, ta mission. Je sais pas si ça sauvera le monde, mais si ça peut changer ton humour, je signe. Envoyez-moi à Limoges!